Allez, le kiki, 100% français là, la partie, je pense. C'est clair, en plus il y a une moitié de team, Ouais. donc ça c'est pas Et mal. ceux qui sont, et ceux qui s'appellent pas FR, ils ont des prénoms français, donc c'est pareil. Il y a Serge, Paul, Possambro. Ah ouais. Ah, pardon, ouais, Tigre de l'As. Bon, moi Et on aussi, va je peux. rigoler parce qu'alors on est en présence de Dr. Fahrenheit, un Kiki Bonnet et en même temps quelqu'un qui est sur le forum du site Company of Heroes France. Et on est censé être en présence de Mithyriath alias Alan alias The Black Pearl. Mais le problème, c'est qu'il est aux toilettes. Je crois qu'il Oh avait mal au non, il est ventre. là, il est là. J'étais en train de te charrier. Bon, et ben Alan, il y a une grosse partie qui s'annonce, hein. 100% française. Ouais. Sortez En les plus, charogne drapeaux. en plus, hein. Faut faire Ouais. gaffe. Chantez la Marseillaise. Tous la main sur le cœur, les gars. On disait, ils avaient tous le sigle FR, sauf deux, mais ils ont les prénoms bien français aussi, donc. C'est clair. Allez les mecs. En plus, Hunger Moon 2, elle est sympa, hein. C'était une map qu'on avait téléchargée pour le Twitch. Et au final, elle est mortelle. Ils l'ont mis. Du coup, je fais T2 là, vu que je suis avec un chinois. Allez, ça marche. Je pars sur quoi du coup, moi? T2, ça te va? Ouais, allez, vas-y, T2. Moi, je fais T2 aussi, les gars. Alors, on Bon, s'organise, on qui c'est se qui part où mélange. alors? Moi, je pars par là. Bon, je pars vers le milieu, moi. Ok, je vais partir par là, moi. Allez, on va occuper le territoire. Soldats du génie, on a reçu un ordre de capture. Ah, ça me mélange, ce film. Sinon, ton micro, il est pas arrivé encore Non, à ta commande. venez, soldats du génie, on a un ordre Alan? autorisé. C'est pas une commande internet, c'est une commande par une personne. D'accord. Et la personne n'est pas encore arrivée, du coup. On va s'en emparer. Du coup, pas de micro. C'est compliqué, des histoires. Parce que le micro qui arrive, en fait, il vient pas de France, c'est pour ça. D'accord. C'est ce genre d'homme. Il a commandé son micro au Venezuela. C'est un micro qui est C'est un déjà micro qui peut polyglotte. s'accrocher sur n'importe quel type de casque, en fait. Oh. Ah, il me connaît, Charon. Faut pas qu'on perde. Ah. Bon, c'est pas sympa. Vous avez la pression maintenant, C'est clair, Non, je on s'en fout, on suis joue, sûr on s'amuse. ils vont la regarder, ils vont aller voir sur la chaîne. Non, Surtout nous, s'ils vous battent. ouais, non, nous on s'en fout, c'est le plaisir avant tout. Oh, on nous a C'est déjà sûr. battu plusieurs fois, hein, c'est pas un souci. On perd, de toute façon, on perd 2 fois sur 3. Une fois on gagne, une fois on perd, et la troisième c'est quand il y a un gars qui est parti, on se casse parce qu'on n'aime pas jouer contre l'ordi. Donc si tu dois faire un Ah. autre, si tu fais notre ratio, tu dois faire ça, quoi. Un délire comme ça. Bon, c'est sûr que voilà, on met pas. Il y a des parties, même. Il y a des parties où tu perds, où c'est palpitant, il y a un truc. Il y a des parties où ça vaut même pas le coup, quoi. Tu te fais torcher, ça arrive, hein. Tu te fais torcher, tu te fais torcher. Ah, moi ils veulent construire des bunkers. Changement de position. Allez, on va EP des points quand même. On va les éviter qu'ils décapent. Pensez à EP un point chacun près de la base. Sinon ils vont tout décap, ils vont faire du full. Ok, les gars, ici ça a bien chauffé quand même. Hein. Qui c'est qui est au milieu là, Ouais, en jaune? je vais devoir me barrer Ah ouais. bientôt là. Voilà, j'essaie de Ouais. sniper là dans leur dos là, il faut les inflinguer, il en reste plus qu'un. Sur Ah la quille. dommage. Ordre, je vais le leur prendre. Ok, à gauche ça marche ou pas? Ouais, ça. Attends, Faut les emballer pour l'instant. j'essaie de reconnaître les Oula. couleurs. Ce dépôt de carburant a failli en Fahrenheit. perdre la mémoire. Allez, Lève le degrés camp. Celsius, Allez, petite. Kiki, essayez d'EP un. Moi, je up ce point là. Devant la base, EP un point chacun. En plus, ça leur évite de Fais décaper les gaffe, points. Kiki, hein, ils Ouais. nous ont entourés. Ces fantassins vont mourir. Attends, je m'éloigne. Putain, elle est où ma deuxième équipe sniper, quoi? Vengeance. Puis c'est la merde ici avec La puissance de les mon fils de amour. barbelés et tout. Allez, ici je les ai couchés, Kiki. N'entre en territoire ennemi. Soldats du génie en attente. Ah, je suis là, juste je me suis éloigné pour Je sniper. me suis mis au milieu avec les lance-flammes, les gars. Échappé. Ok? Allez, ça marche. Ça roule. Kiki, tu arrives à les mitrailler toi? Voilà, Les nickel. snipers en route. Allez, il faut leur flinguer le maximum de troupes. J'élimine l'infanterie ennemie. Allez, je viens Allez, les je suis brûler sûr. pour les faire fuir. Hein. En plus, il s'appelle Sharon, donc lui doit être vicieux. Paye ta charogne.
Là, c'est bien joué, ça. Sniper, en attente. Position confirmée. Tu sais quoi, dans ce petit couloir là, Bislar, je vais placer un. Je vais placer un papier cadeau. Ah, pas mal. Ici, y a quoi, Alan? Alors, il y a une MG position fixe ici. Bien, Farnak, enfin, côté gauche, c'est pas mal là, tu le fais fuir. J'ai des gars qui arrivent, ils vont avancer, ils vont. Oh, joli, récupère ça. Ça arrive là. C'est qui le premier? Ça arrive par là, là. Attention ici, ouais. Ok, je vais déplacer ma MG sur le côté là. Les Kiki, vous avez pensé à EP des points ou pas? Parce que. Moi, je pour vous un peu. Attends, putain, je suis coincé là. Ouais, attention ici là. Ouais. Ah merde, j'ai obligé. Ah ouais, mais il passe devant, c'est pour ça que je voulais pas passer par là. Ah, j'en ai perdu un, c'était obligé. Il y a plus, je pense que s'il est au milieu, c'est qu'il y a plus rien de ce côté. Hein. Pratiquement sûr. Oh! Il m'a jeté les grenades aveuglantes. Ah, il va nous déloger au milieu. C'est qui en violet? Serge. Bien joué, Serge. Putain, je suis en train de chier, les gars. Ah! Oh oh, je suis mort d'un seul coup, tiens. Tu me diras. Toutes les personnes qui meurent sur Terre meurent d'un seul coup, mais. Ah, vous les avez bien flingués là-bas. Allez, je vais partir. Bien joué ici. Je reprends l'étoile et. Allez, je leur mets la pression avec mon véhicule, j'essaie de prendre des points plus loin. C'est bon. Ça marche. Reprenez ça, les gars. Je bombarde à distance. Ça, c'est bien, Loris. J'adore ce que tu fais. Ah, il a mis un bunker. Du coup, tu vas brûler l'AMG là? Je vais essayer, mais. Il y a bunker aussi là. C'est ça qui va t'empêcher d'avancer, Alan, ou pas? Attention, il vient agresser ici là. Ah oui, il y en a deux. Ok, il y en a, parce qu'il y en a un autre sur le côté aussi. Hein. Il a fait que des bunkers, après il est parti en fait. Il faut m'aider par là, les gars, s'il vous plaît. Parce qu'il lui reste un millimètre de vie, mais. C'est bon, il est mort. Ça va que je m'étais bougé là. Je rejoins l'endroit. On a qu'à abandonner. De toute façon, on peut abandonner une étoile. Hein, pour l'instant. Je croyais abandonner tout court. Non, non. Le mec défaitiste déjà. Bon, ah, laisse tomber. Hein. Attends, je vais essayer une technique, Kiki. Regarde. Je vais essayer de placer un détonateur derrière son dos. Ça c'est de la technique qui va bien marcher, je le sais. Vu que tu m'as déjà fait tomber dans ma propre baraque. Place le détonateur, mais faut pas tarder à aller aider. N'hésite pas à appeler, hein. Ben... Oui, c'est comment ça arrivé là sur moi. Ouais, je le vois que tu souffres. Je t'envoie des renforts. Ah Kiki, regarde, allez, j'ai mis le détonateur. Regarde. Oh. Avec des forces sur le côté. Ils avancent pas trop de notre côté. Allez, lâche pas ici, on arrive. Hein. Moi, je mets des mines un peu partout hein, de mon côté. C'est bien joué ça. Fais gaffe, il y a un véhicule qui arrive par derrière là. Je vais essayer de le bloquer lui. Oh, bien joué les gars. Allez, je leur décape un point en haut à droite. J'ai dû mettre en flap. Hein. Attention ici les gars, ça chauffe, allez. J'arrive avec des forces. Il veut jouer avec le feu, on va jouer avec le feu. Allez, c'est bon, il est en train de perdre, allez. Faut rester solide sur cette map, il faut rester solidaire. Ici je le contourne du coup. Moi je vais sur CMG. On va tous sur CMG d'un côté. Ouais, en fait, t'es un... Ah, je vais sur le mortier, donc pas qu'il nous pilonne. Je vais canarder ça à la grenade anti-char. Ça roule. Allez, je vais refaire sauter notre bunker là, ça me plaît ça. Normalement, il repart pas son mortier. C'est bon ici. Attention, j'ai mis le feu, les gars. Ça vous plaît un Katyusha, si je fais un Katyusha ou pas? Ah ouais, ça me semble pas mal. Est-ce que t'as d'autres détonateurs, Kiki? Ouais, là, ici. Je vais le faire sauter juste maintenant. Ça y est. Allez, joli. Je fais bien de poser la question si je comprends bien. Moi, je vais voler un petit mortier. Je vous up le point là, les gars, ok?
Il faut qu'on avance, je vais me foutre dans cette baraque là. Attention, regarde tout ce qui t'a envoyé ici. Ça ouais, j'ai vu. J'ai mis plein de mines sur son bike là. Ah merde, il m'a coincé. Ça, les amis, t'es mis, je sache. Merde. Yo, oh. J'ai mis une mine là, une mine là, une mine là. Ah ouais, ok, je vois. Parfait. On va en mettre d'autres parce que là, je sens qu'il va revenir avec tout son bousin là. Ouais, ouais. Moi, mon Katusha, il est à la moitié, donc j'attends. Ça va pas tarder, je viens de payer un autre point, les Kiki. Voilà, je vais faire des AT. Ok, ça marche. Je vais bouger ma MG mortier de ce côté, vu que ça va arriver de ça. Voilà. On parle du loup. Ça y est, je me suis mis là, mais bon, ils vont me déloger vite fait, bien fait. Ah, voilà. C'est ouais, ça, il est trop collé. Avec tout ton groupe, là. Voilà. Ouh, joli, allez. Bien joué. Il va se prendre la deuxième, suis-moi, avec tout ton groupe. Attention là par contre, ouais. Bon les Kikis, je catchouche ici. Allez, donc faites gaffe à vos bâtiments. Ne les faites pas fuir parce que je suis en train de catchoucher. On peut avancer là Kiki de ce côté ou pas? J'ai placé un détonateur, il est pas. Attention loin. Je catchouche ici, ça va tomber, cassez-vous de la maison. Ça marche ça, là ça part maintenant là, laissez-le avancer. Ah il est parti l'enfoiré, dommage. Ah il était un peu long. Petit véhicule léger. Ah, protégez-moi avec ton canon de char alors Alan, ouais, nickel. Qu'ils viennent pas dessus. En avant. Il est où? T'as placé d'autres mines ou pas? Non. Il les a. Ah, il veut. Parce que tous détruites, mais je vais en remettre. T'arrives à le choper lui là? Ouais, nickel. Moi je vais ranger mon Katusha un peu plus loin. Allez, mec. Allez, c'est bien. Ouais, c'est ça pas mal. Passe, écoute, pour l'instant tout va bien. Voilà, gauche, je sais pas comment t'appeler. C'est quoi? Tu m'as dit le prénom tout à l'heure, je m'en rappelle plus quoi. Le vrai prénom, c'est Rémi. Bon, Rémi, ça sera. Allez, Rémi. Bah écoute, ça sera Rémi, vas-y, bon coup. Fais gaffe ici, hein. Là, ton mortier là. Ah putain, bien joué. Trop tard. J'envoie des gars avec des PPSH. Bon, ils devraient être morts là, son truc. Allez, tire. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bien joué. On repart, les gars, on repart. Allez, on est pas mal là. Ah, du coup, j'ai perdu mes. Putain, mes soldats du génie. Je suis en route. Oh là, il y a du monde en orange là, ici. Ouais, ça arrive. Quels sont les besoins? J'y vais tout de suite. J'ai l'impression qu'ils attaquent chacun de leur côté. Ouais, chacun leur tour. Je peux les catchoucher, mais. Je vais les attaquer d'en haut là. Surveille-moi les quand ils sont immobiles quoi. Voilà. Bon, j'ai catchouché ici, donc faites gaffe. En plein sur le tas orange. Après, j'ai un SU-85 qui vient de sortir de la boutique. Je sais pas sur quel côté l'envoyer, peut-être celui d'Alan. T'as catchouché là? Ouais, il catchouche. Là, je vais peut-être le faire changer d'emplacement. Ouais, je vais tirer là. Parce que j'arrive pas à... Oh, elle a fait mal ta grenade. Ouais, elle a fait mal, t'as vu? T'as giclé, mais. Ça tire là. Elle est pas loin. Je prends la MG. Ouf, c'est vraiment. Allez, on avance, les gars. T'avais détruit les. Fais gaffe, il y a un bunker ici. Ah merde, y'a un bunker. C'est un bunker soin. C'est un bunker soin. Non, y'en a un autre là-bas. Je vais envoyer mon canon anti-char le crever. Ça roule. Là, j'approche le mien aussi, comme ça on y va. Surtout qu'il y a un petit. Y'a un char qui traîne derrière là. Attention ici, les gars. Merde. J'ai pas suivi ce qui s'est passé, Aurélien. Là pour l'appel. Ah, ça vient au middle. Ça vient fort au middle. J'arrive avec toutes mes troupes au middle. Je fais un barrage d'artillerie. Voilà, boum, à bout portant. Ah putain, j'ai eu le temps de tirer qu'une fois. Elle essaie de venir avec une équipe double sniper. Et je vais recatoucher. Allez, je sors les tanks aussi, les gars. Allez, les gars, je récupérer ça. Je catouche ici et j'arrive avec des snipers. Ça roule. Ça marche. Catouche. Rémi, tout va bien? Tout va bien. Il avance, lui, tranquille. J'avance un peu de mon côté là. Tu sais, Rémi sans famille, c'est qu'un dessin animé ici. Non, mais je suis tellement concentré là, je parle même plus du coup. Excusez-moi. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est qui peut me flinguer ce cochon là?
Je vais attaquer ça là. J'ai un deuxième Katyush qui va sortir de la boutique. Vous avez une cible ? Bien reçu. Comme ça, je peux flinguer des deux côtés, quoi, s'il y a une merde. Ok. Prêt. Je suis en route. Là, ils arrivent là. Attends, c'est Serge. En rose, c'est Serge. Je veux sniper. Les gars, fais Charon ici là. Recule ton tank, Fahrenheit. Enfin, mets-le dans le bon sens en tout cas. Je retourne, de toute façon, ça arrive. Quoi ? Destination repérée. Côté droit, c'est bon là. Qu'est-ce qu'il y a de lourd ici là ? Il y a un V1 Panzer 4. Tu peux poser une dynamite ici ou rien ? Ouais, je m'en occupe. Il est là, lui, il faut se le faire là. Il a quoi ? Ouais, je le catchouche, allez. Il y a un Panzer. Ouais, ici là. Flak Panzer au milieu. Flak Panzer, attention, mais c'est pas. Ouais, je me casse. Ah, il veut mon Katyusha au milieu là. Mais il m'a pas vu. T'as pas vu, il est passé à côté. Ouais, je rentre à la maison. Il va te suivre, non ? Il veut suivre mes snipers, alors je vais le suivre. Je vais le suivre à la base. Ouais, mais regarde, il tombe sur moi là. Et j'arrive pas à aller. Allez, nickel, là, oh, tu l'as coincé. Dans les ruelles. Laisse mes snipers tranquilles, mon copain. Attends, je vais le ressortir un autre SU-85 que je mettrai dans la. Ah, ici aussi ça attaque, attention. Ah, un petit pont. Oh là là. Rémi, dans 10 secondes, je peux catcher si tu veux de ton côté. Attention là, là. Ok. Et l'autre côté, 20 secondes sur la droite, tu peux catcher. Attention au milieu, ça arrive. Là, ici, là, un véhicule, là, flingue-le, là, ce véhicule mortier, là, il nous prend la tête. Changement de position. Allez, vas-y. J'arrive par derrière. Ah, il y a du monde, là. Je catchouche à l'étoile du milieu. Enlève-toi d'ici, Rolien, fais sauter la dynamite qu'il y a là. Ils vont passer dessus. La dynamite qu'il y a au centre. Ils vont aller pas. En plus, c'est que des vétérans. Il y a un panthère ici. Un autre char, il y a un autre char qui se pointe. Ouh! Je me barre. Merde. Où est-ce qu'il est le panthère? Ah, je le vois. Il est là. Oh merde, le panthère Shrek. J'avance mon AT. Ah non, il arrive sur mon AT, pas besoin de bouger. Vas-y, je recule. Putain, au milieu. Enfoiré, il m'a pété. Ah putain, j'ai raté mon truc. Attention les gars, ça chauffe. Ici, tu recharges les équipes, je t'ai amené un de quoi faire. Ok. Ok, super mince. Faut le crever, les gars. Ah, bien, j'arrive. Allez, il est mort lui. Allez, Loris, viens. Attention ici, là, parce qu'on a perdu du territoire. Je renvoie du lourd. J'ai bientôt les chars T-34 avec les canons améliorés. Là. Voilà, c'est monté. C'est bon, qui a besoin que je l'aide à se recharger là? Personne. Non, c'est ok bon. Pour moi, non, c'est bon. Panzer Shrek, face à toi là, Loris. Oh putain. Il y a un AT, fais gaffe ici. Hein. Un okay, AT russe, ils ont repris. Oh là là, attention les gars. Yeah. Je déplace mes Panzer Shrek parce que j'ai pas confiance. Et j'attends que mes snipers soient réparés. Je refais un SU, mais bon, dans ces ruelles là, c'est vraiment casse-couille quoi. Allez, je fais un canon anti-char ici. Il y a du monde là à droite. Hein. Oui, je recatchouche à droite. Je catchouche et dans 20 secondes, je fais un deuxième. Je peux faire bombardement incendiaire aussi là si tu veux. Je le fais là, allez. Je lui fais la totale. Allez, vas-y. J'ai bien reçu. Je sécurise. Je reprends le milieu. SU-85 en mouvement.
Ça les a calmés un peu ou pas? Je sais pas. Mais j'ai perdu mon infanterie, je suis plutôt en colère. Je sais pas et je catouche ici aussi. Allez, Loris, faut récupérer l'étoile, s'il te plaît, pour les points. Ouais, t'inquiète, je suis en train de mettre des minas partout en fait en même temps. Ne reste pas sur l'étoile parce que je mine de partout. Ah, ici, ça va ou? Ça devrait aller. Hein. Je vais reprendre mon AT. Allez, je monte un peu plus au front. Attention ici, ça y est, ça revient. Là. J'amène un canon anti-char. Attention Alan, il y a des snipers, Loris, des snipers. Merde, qu'est-ce qui branle là quoi? J'ai fait le con, désolé. Ah dommage, il y a un canon anti-char à récupérer là peut-être. Ah merde, de l'autre côté là, il y a un panthère ici là. Ici il y a du monde. Hein. Ouais, j'essaie d'avoir dans les fesses. Je t'amène deux SU-85 mais je suis quand même... Ah il s'est fait lancer. J'espère que je le crève. Ouais, je veux le crever, Rolien, filme-le ça. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait, caprice. Agrandissez la veuve, les cochons. Ah non. Attention ici, Kiki, hein. Il est pas loin de. Ouais, la mine. Allez, on y va. Ah, attends, j'en remets une autre ici dans le chemin de fer et puis je m'en vais du milieu. Je vais te le ramener de ton côté, Régis. Régis. Antoine. J'ai pris un coup de vieux là direct. Pierre Paul Jack, excuse-moi, comment tu t'appelles déjà? J'ai oublié, pardon. Rémi, c'est ça. Rémi, ouais, Régis, Rémi, j'étais pas loin. Il y avait une part de. Fais gaffe, parce que tu fous là avec ton truc. Ah non, c'est bon, c'est pour ça. Non, je vais pas loin. Non, je ici là, sur la pharmacie, je tire. Allez, Loris, ici là. Je vais ici aussi. Hein. Je vais faire un petit rush aussi sur le panthère. Loris, je vais l'amener vers Kémin. Je vais avec deux chars ici. Hein. Ça devrait être bon. Attention, parce que s'il tire, tu vas shooter avec lui quoi. Mais j'ai Panzer Shrek aussi avec les. Il est mort. Le nombre de chars qu'on apporte. Surveille bien. Hein. Et il va dessus, boum. Oh, ça rêve. Achevez-moi le. Il va dessus encore, ici. La deuxième. Ah non, heureusement ça l'a pas déclenché. J'ai appuyé, mais ça a rien fait. Je te jure, j'ai appuyé comme un tabanard. Moi, j'étais déterminé, mais je sais pas si ça va être bon. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre ici là. Bon, ah, il est mort, mais il est pas fini. Ah si, la carcasse est devant. Ouais, il y en a d'autres là, attention. Hein. Ouais, il va passer la mine, déclenche la mine bientôt là. Là, ici là. Attention dans tes fesses. Il y en a derrière. Il y en a deux derrière. Putain. Allez, où mon deuxième? Là, il est dessus, boum. Ah oh, pardon. Ah putain, ouais, mais les gens, j'essaie de manipuler, mais. Attention, il nous fait un tir. Ouais. Allez, j'ai économisé pour sortir l'IS2, les gars. Mais faut pas que je fasse le coup. Oui. Ah, oh, j'ai touché un peu là. Je vais le tuer lui. Allez les gars. Ouais, nickel, je l'ai pété. Bien joué. Et je suis passé vétéran 2 étoiles grâce à lui. Si à un moment il y a beaucoup d'infanterie, est-ce que je peux faire des passages d'avion? Ici, là, ton canon anti-char. Oh, il y a le panthère qui va faire chier. Attends, j'essaie de te l'envoyer le. Ah, ils sont là, il y a du monde là. Ouais, là. Là, il y a du monde ici. Hein. Pas sur ici, là, ça vient. Hein. Ouais. Allez, venez m'aider. Oh, l'IS2, bien joué, Kiki. Allez, ton T2, Michiria, derrière. Ça se passe derrière nous, il y a des panthères. Ah, ça se passe devant. Ah aussi. Merde, on est coincé en fait. Allez, joué. C'est bon, il prend ici. Enfoiré. Je leur fais double tir de Katusha.
Moi, je suis obligé de partir comme un lâche. Oh, y'a un AT. On va se gaffe. Ouh, ici ça chauffe. Et oh, les Katyusha quand même, ça leur a fait perdre la moitié. Double Katyusha dessus. Les gars, j'ai besoin d'aide ici, il me faut de l'infanterie. C'est quoi qu'ils ont? Et attention à pas perdre au point. Hein. Comment ça se passe ici, Rémi? C'est... Pour l'instant, c'est un peu compliqué là. Je t'envoie mes snipers au milieu. Ah ouais, parce que là on est en train de perdre au tank. Il va falloir avancer. Oh, lui il a sorti un éléphant là quoi. Je suis obligé de partir là pour l'instant, j'ai pas de. Je vais essayer de rapprocher mon anti-infanterie là. Oh, IS2 contre l'éléphant. Allez. Kiki, vas-y, c'est ton jour. Ah ouais, mais putain, il a ses. Bah, je fais un tir de barrage d'incendiaire, vas-y, n'aie pas peur. Et je t'envoie un. Voilà, je l'ai brûlé, il part. Allez, je l'ai bloqué là. Le putain, Panzer. Que je peux faire, allez les gars. J'arrive avec deux chars. Merde, il est face à moi là. Je vais arriver derrière, bouge pas, bouge pas. On va pas t'effet surtout. On arrive tous dessus là. C'est allez. Je pense qu'après ça, ils ont plus rien. Ouais, il est mort, vous avez pété l'éléphant. Allez, epic game les gars. Allez, viens, on récupère là. On entre en territoire ennemi. Allez. Trop dur. Elle est palpitante. Soldat du génie, à vous outils. Contact, on a du travail à faire. Attention ici là, ouais, bien les lance-flammes. Allez. J'ai envoyé de l'infanterie. Allez, faut qu'on se fasse réparer aussi, Kiki. On ici, avance, il y a un canon anti-char là, faut peut-être le prendre celui-là. Pardon, au milieu là. Ça, on est tranquille. Non, faut que je fasse. Personne a des génies pour moi là? Où? Parce que moi je répare des chars ici, donc si tu les amènes ici. Là j'envoie ici moi Kiki. J'envoie une équipe. Ok, alors je viens. Je ramène aussi. On se fait un centre ici là, un centre improvisé. Oh attention là, ça sent pas bon ça. C'est quoi ça du... N'oubliez pas de, si vous avez de l'argent, de reminer. Oh merde, il a fait un... Attention les gars, ça bombarde ici. Ouais, il a fait un... Il a un canon ML20. LEFH, ah oui. Pardon. Y'a quelqu'un, une reconnaissance aérienne, que je brûle ça peut-être. Fais gaffe, tes snipes, ils sont en avant-ligne là, ils passent devant là. Regardez ce qu'ils ont amené là. Ah, ça y est, je suis parti. J'avais perdu un spontan. Passage, non, j'ai pas encore le passage d'avion. Putain, ils m'ont crevé. J'essaie de rapprocher une mitrailleuse. Bombardement là, les gars. Pas encore, j'ai pas encore ça. Le dispo. Il est où le... Quelqu'un a réussi à bien me repérer, je catchouche le canon, le ML20, ouais. Normalement il est par là, mais bien repéré, je sais pas. Attention les gars, ils avancent là, vers ça nous. Ça pousse là. Ici, hein. Ouais. Et attention au bombardement de ML20, là, on est trop groupé ici, là. Merde, en plus mon Katyusha... Il voulait tirer là-bas, mais c'est pas une bonne idée. Frappe aérienne, faut qu'on se casse tous du milieu, les Kiki. Ouais. Au milieu. Là, tout ce qu'il y a là. Ça va prendre. Ouais, j'ai perdu qu'un génie, c'est bon. C'est pas grave. Dommage collatéral. Les gars, faut qu'on avance. Le tort, c'est de leur laisser les points. J'arrive. Et toi, de mon côté. Attention, ils bombardent là, exactement là où j'avais dit. Allez, j'ai trouvé. Les armes. C'est bon, je sais où qu'a touché bien. J'ai un coup d'avion, donc dites-moi s'il y a plein d'infanterie qui arrive. Ok. Oh merde, j'ai perdu un Katyusha là. Par contre, on n'a plus rien à gauche. Hein. J'ai du bâton. Attaquer à droite, ils ont, pas très non, bien. Ils ont rien. Ah, c'est pas trop mal ça. C'est dangereux, mais c'est pas trop mal. Hein. C'est qui bombarde là? C'est eux, c'est vous? C'est moi. C'est toi. Allez. Maximum de dégâts. Putain, j'ai pas de bombardement pour t'aider, je suis blasé.
Ah, ils arrivent. Journée. Oh, ils ont Tigre de l'As, les mecs. Oh non. Ouais. Pas nos abonnés, hein. Sans rire. On perd le point à gauche, je pense. Attention ici, les gars. Oh, il va me crever. Ici, je suis mal, les gars. Non. Non, 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 non. Ah, j'ai voulu faire un appel, j'ai fait comme... Je vais t'aider, mais. Ouais, j'ai réussi à. Abandon, faut le récupérer. Le Tigre de l'As, nickel. Allez, on. Tigre de l'As, il prend cher. Ah ouais, il a le Tigre de l'As, l'enfoiré. C'est pour ça qu'ils avaient peut-être des. Ah, il a perdu. Ah, sauvez-moi, les mecs, sauvez-moi. Oui, allez, il est pété. Sauvé. Allez, récupérez-moi ce panthère et on a gagné, les gars. Y'a plus qu'un tank ici là. Là faut qu'on récupère le territoire là les gars. Allez, on va les brûler. Merde, attention, tourne ton canon au relais là, au milieu. Ici ça chauffe. Ah merde putain. J'ai un char, un nouveau char qui arrive. Attention, ouais, ici je tourne le canon mais. Un bombardement t'avais dit, j'en aurais besoin maintenant. T'as pas ça? Ah non, désolé, j'ai fait juste quand j'ai attaqué. Si, moi je le fais. Là je le flèche, je le pète à lui. Déplacement. Les gars, la mine ici, la mine ici. Ah dommage. Ah c'était la mienne. Allez, ça bouchonne ici. Oh putain, j'ai perdu mes écarts. Allez, on a tout pété là, faut remonter le secteur. Je fais un bombardement ici. Parfait. Comme ça, tu peux battre en retraite parce que si jamais. Ah, bah c'est bon, ça l'a fait fuir. Toi, fais gaffe à pas être pris dans le feu. Ça a l'air d'aller. Regardez, ils sont là, les gars. Ah, j'ai vu. Ouais, je l'ai pété. Ah, il a sorti un panthère, l'enfoiré. Ah, au milieu là, je suis emmerdé avec un panthère. Ah, je fais des marches arrière, mais j'en peux plus. Quelqu'un peut m'aider? Venez, venez, venez. Il faut pas qu'il me pète ça, je suis vétéran. Ah, dommage. Allez, pétez-moi son panthère. Ah, putain. Oh là là là, je suis vétéran 3 étoiles, alors j'ai un SU-85 Tiger Ace. S'il me le pète pas, putain. Oh, bombardement les gars, vous avez quelque chose? Ouais, j'ai un avion qui arrive. Je t'envoie un bombardement incendiaire aussi. Ça, il a pas vu encore, il avance. Je pense que c'est les mitrailleurs qui nous manquent pour les éviter d'avancer. Ouais, ouais, il faut des mitrailleurs, ouais. Il y en a une ici, je vais essayer de la récupérer là, je viens de l'avoir derrière toi. Il me rapproche aussi un peu là avec une. Attention, il bombarde ici avec le. Oh putain! Ouais, bien vu. Avec le FH. Il y a un canon anti-char à récupérer ici aussi, les mecs. Ouais, il faut que je sorte un peu des troupes là. Ouais, ressortons les mitrailleurs là. Comme... Ouais, il faut refaire la base là. Puis, si je le prends... Qui c'est qui peut me réparer ce bordel là? J'ai un truc 3 étoiles, oh. Je suis dégoûté. Là, là. J'arrive. Putain, moi déjà j'en ai chié, il m'avait quasiment défoncé. Ouais, il faut que je lui défonce son canon là, y'a pas un moyen. Oh, y'a une giclée de sang là. Merde. Là ici il a un Panzer Shrek. Vas-y, couche-le et moi je brûle. Ah, vas-y, viens le brûler, viens le brûler. C'est bon, il s'est barré. Allez, on retourne un peu au front ici là. Je bombarde là les gars. Nickel, on a récupéré en plus un. Oh merde. Avec. Là, essaie de le brûler avec le KV lance-flamme, non? Qui c'est qu'il a? Ouais, j'y vais. Il est 3 étoiles en plus, non? Parce que comme le mec il a pris le tigre de l'As,
Il s'est tout fait 3 étoiles, il s'est pas fait de pitcher quoi. Attention ici. Oh bien joué, je vais venir. Allez j'arrive aussi avec. J'arrive sur ton côté. Ah il a tout fait que. Il a fait que des 3 étoiles. Mais je suis sur son côté là. Par contre les gars, si c'est des kikibonnets, franchement les gars. Pourquoi avoir fait ça? Là le panthère là, faut qu'on le flingue. Attention par contre s'il a un canon anti-char par là hein. C'est réparé là, je peux emmener celui-là. Nickel. Non, c'est bon. Merci super. Oh elle en a pété un. Allez un autre. Allez. Le panthère là. Avancez, avancez, ça bombarde, avance, avance. Avance. Nickel, il va m'avoir. Ouh j'ai. Attention canon anti-char face à nous là. Il y en a, ouais, un daté là, derrière. Il y a pas dessus. Ah mais j'étais obligé, gars, c'était ça. Ici il faut avancer non? Attention il y a lui aussi là. Ouais c'est lui qui me gêne. Tiens bah je retourne leur canon là. Oh il prend cher. Ah oui, il est mort, il va mourir. Il est hors de sur. Donc si je le perds c'est pas grave. Et... J'ai grandi la vue. Personne n'arrive à l'achever. Ah oh, elle a réussi à s'échapper. Oh c'est trop, on y va. Le silence mon chat. C'est bon. Super rapide. Non c'est bon il est mort. Ouh, c'est tendu. Le gars fait de l'artillerie là. Oh oh. Allez, j'en sors un autre. Attention les mecs. Là je suis mal. Il y a quoi, le panthère là, mais il arrive. Il en a 3 panthère. Je l'amène vers vous. J'arrive. Attention ici, Fahrenheit. Là il y a de l'infanterie, maintenant. Je mets l'avion au milieu. Passage d'avion au milieu. Allez Fahrenheit, c'est bien. Continue hein, harcèlement. Et je vais attention ici, ça vient. Est-ce aussi. On fait quoi au milieu là? On y va? Faut aider aussi Fahrenheit parce qu'il est un peu... C'est pas de notre côté, tout à fait. Là, il arrive là, ici. Allez, les gars, allez, attendez, vous êtes partis. Viens, on les achève. Je t'agrandis la vue et je recule. Merde, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, bien. Allez, de moins. Faut qu'on aille crever ce putain de véhicule. Là. Attends, bougez ici, là. Où il y a l'IS2. Allez, on avance maintenant. Ah, je vais aller le chercher là, il m'a saoulé là. Allez, va le chercher, nickel. On avance tous ensemble, les gars, on fait une ligne et on avance. Ouais. Attention, Panzer Shrek ici là. Ouais. Sur le côté gauche, il peut tout nous faire perdre. Ah, avec un bunker, exactement. Oh merde, il a sorti notre éléphant. Putain, y'a lui là qui me fait chier. Les gars, j'ai besoin d'aide, absolument. Ouais, l'éléphant dans les fesses, tu vas l'avoir avec ton IS de Kiki. Je t'envoie tout. Putain, il a fait deux canons l'enfoiré. Oui, l'éléphant est mort, les gars. Je répète, le roi lion est mort. Allez, il faut qu'on récupère sur la droite maintenant, parce que c'est ça qui les fait résister à cette partie. Allez, c'est bon, on peut le récupérer, on le casse pas, les gars. Non, ça sert à rien, il est trop utilisé. Il faut aller à chez là. Ouais, si, récupérez-le et tirez dans sa base, ça va les menacer. Tire dans sa base quand il part en retraite. Ça va éliminer toute son infanterie étoile. Moi, je vais faire un tour sur l'étoile ici. On va essayer de tout reprendre. Là, ici, je le prends par derrière, allez, vas-y. Merde. On est à deux. C'est bien, Rémi, allez. Oh, tu gères bien ça, Rémi, ça, j'aime ça. Le petit fumigène, là, c'était jouissif. Ici, il y a un canon anti-char, il y a un peu de monde.
bien, le sacrifice n'a pas été. Ah, il a sorti un autre panthère, merde, je tombe face à face. Ça, c'est joli, ça, là, c'est Alain. Je bombarde ici. Ah, c'est toi, ok. Toi. Pardon. Allez, c'est bien, les gars. Attention, ça bombarde, là. Tu, tu peux me réparer, Alan, sur ce lance-flammes, là? Parce qu'il y avait 8. Ici, t'as 2. Il y a un panthère là sur moi. J'essaie de m'enfuir, après je te répare. Ouais, ça marche. Oh oh, les gars, au secours, ici. Y'a quoi? Panzer Shrek. Y'a plein de Panzer Shrek. Je suis vraiment du monde. Je fais un bombardement incendiaire pour qu'il se casse, c'est bon? Allez, c'est parfait. Allez, on avance, les gars. Tu l'as pété le panthère ou pas? Ou t'as merdé encore? Le panthère, y'en a plus. Là, le panthère est toujours là. Merde, il est là. On prend 2 AT. Ouh, y'a du monde ici, oui. Il me fout dans la baraque là. On était bloqué ici, Loïs. Là, ça passe pas. Du coup, allez, c'est bien. Du coup, on a pas récupéré le canon. Non. Ils l'ont récupéré alors. Certainement. Oh merde. Il me fait un tir genre B4. Ah, c'est bon ça. Oula, Panzer Shrek 3 étoiles. C'est appui d'artillerie ferroviaire, il y en a 3, il en manque un, les gars. Putain, ici aussi, il a que des vétérans là, putain. C'est ça qu'ils sont. Ils ont récupéré le canon qu'on a pas voulu prendre, les kikis. Attention, je bombarde ici. C'est pas qu'on a pas voulu le prendre, c'est qu'on a pas eu on a pas le pu. Temps de le prendre. Allez, merci bah, pour le lance-flamme, je vais y retourner. Regardez ce qu'ils ont là. J'ai pas vu. Ils en ont un autre. Attention ici, là, ça choque. Ah, ils ont voté la capitulation, ça veut dire qu'ils doutent. Ils sont partis. Ah, dommage. C'était tendu, ils jouaient bien. C'était bien tendu. Ouais. Franchement, bien joué, les kikis. Bien joué. C'est le plus fort, c'est les Français. Et vive la France. Allons, enfants de la... C'était chaud. Allez, un... Good game. Ouais. Bon, c'était sympa, hein. Franchement, il y a eu de... C'était bien joué, les kikis. Je suis bien content de cet affrontement 100% français parce que on a montré de belles choses dans les deux camps, quoi. En face, ils nous ont sorti quand même double éléphant, double LEFH-18, un nombre de panthères incalculable. Et ils ont été très remuants. Ils nous ont sorti le tigre de l'as aussi, les gars. Il nous a envoyé des tanks qui étaient déjà armés de 3 étoiles vétérans, donc ça n'a pas été facile de résister. Je pense qu'ils se sont mis un maximum de chances de leur côté. Mais on a été solide, bien organisé. Bravo à toi, parce que tu nous as dit que ça faisait pas longtemps que tu jouais, Rémi. Enfin, quelques mois, quoi. C'est ça, merci. Et franchement, j'ai regardé pas mal de fois de ton côté, et ça va, tu as les bons réflexes, c'était très très bien. Bon, Alan, c'est plus la peine d'en parler. Il a fait très très bonne chose. Tu t'étais fait, t'avais pas créé. Tout le temps, pas tout le temps. T'avais créé, plutôt que les jumeaux T3485, lui il a créé les triplés. Les triplés, si à moi. Loris, roi du SU85, je crois qu'on va t'appeler comme ça parce que franchement. Mais après, sur ta main, pour le coup, j'ai vraiment fait les techniques russes. C'est-à-dire, j'ai envoyé dans le tas et je voyais si ça passait quoi. C'est énorme, je repense à Loris qui me disait venez m'aider. Il est resté son terrain là, il était en guise. Ah, je l'ai perdu en plus, et je l'ai même pas vu quand je l'ai perdu, tellement il y avait de l'action. Donc, après, c'est vrai que sur cette map, si vers la fin, quand tout est dégommé, tu peux passer un peu partout, mais au début, c'est chiant. Mais là, je suis 85, là, il reste coincé. Il allait dans un endroit là vers. Je sais pas si tu vois le milieu, bon, la maison elle a explosé, l'étoile du milieu là, tu descends, t'as 4 petits wagons là, et t'es un muret. Il restait coincé là et tout. Bon, laisse tomber. Ouais, imagine un SU-MAC 85, maniable et souple comme une brouette, coincé là-dedans, là, dans le chemin de fer. À un moment, je filme, je me dis, mais pourquoi il vient pas, mon putain de KV-8 lance-flamme. Je le regarde, il faisait un tête-à-tête à la chandelle là, avec ton SU. Ouais, étaient bloqués, mais il y avait un espace énorme des deux côtés, quoi. Ils pouvaient passer, quoi. Ah, ils ont pas la meilleure logique au monde. Mais... Face à face. 40 minutes, ils nous ont tenus quand même. Ouais. Après, ce qui nous faisait mal vers la fin, c'est qu'il le P vétéran
Les tanks et les Panzerschreck et tout, ça faisait mal. Ouais. Surtout qu'il avait, il upait les copains aussi. Ouais. Je pense. Et oui. Parce que j'ai vu moi des gens vétérans un peu de partout. Alors il y en a, les Panzerschreck souvent c'était normal. Parce que il les a beaucoup renvoyés à la base, puis remis, puis renvoyés. Donc, ouais, il y en a que c'était à la légale, ouais. Bon, j'ai eu un SU-85 de l'AS. Qu'est-ce que vous avez pensé de la partie, les Kiki, alors? C'était assez tendu quand même, et après, bon, mon côté, j'arrivais plus ou moins. J'ai fait quelques petites attaques qui ont plus ou moins bien marché, mais au moins ça a fait bouger leur ligne. Mais après, c'est vrai que avec toutes les troupes qui bougeaient sur la map, c'est dur de faire des troupes, de refaire des MG, de refaire des AT, de tout faire bouger en même temps. Tout en faisant bouger vos troupes avec les nôtres, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est dur, quand même. C'est vrai. Chaud. Moi, ce qui, je pense qu'il manquait à la fin, c'est de refaire les unités de base, c'est-à-dire les mitrailleurs, les snipers et tout à la fin. Ouais, et là, toutes ces infanteries là, qui essaient de récupérer des points, c'est impossible qu'ils avancent. Moi, j'ai refait deux snipers à la fin parce que j'en avais vraiment besoin de mon côté. Ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que commencer à remettre des MG et tout, enfin, ça. Ouais. Tout en gérant tes chars, faire les réparations de tes chars et des chars. Mais disons que les tanks, il y en avait largement assez, quoi. Avec tout ce qu'on avait combiné. Parce qu'encore, on en a perdu et tout, mais on en avait assez. Après, ce qui manquait, c'était vraiment l'infanterie pour les bloquer plus vite. C'est clair. C'est ce que j'avais essayé de faire en faisant revenir un peu d'infanterie, mais le problème, c'est que je faisais un peu trop revenir au compte-gouttes. J'ai remarqué ça et du coup, j'ai perdu assez rapidement, quoi. Donc, ah ouais. On n'a pas pu en tirer bénéfice, quoi. J'essaie de récupérer pas mal d'armes. Qui en même temps, pour te dire la vérité, sur ton côté, je suis pas trop venu t'aider. Après, j'avoue, j'ai fait quelques. Après, bavard non plus, j'ai pas trop. Pas trop. J'étais tellement concentré sur le. Effectivement. Mais j'ai fait pas mal de bombes, de tirs de Katyusha pendant pas mal de temps, et de tirs de barrage d'artillerie pour les brûler. Mais après, j'avais pas grand-chose ton côté à envoyer. Hein. C'est... Ouais. Désolé, la prochaine fois je m'appliquerai. Mais au milieu je chargeais aussi quand même. Je me suis fait défoncer. J'ai quand même fait 7 et 34. Donc... Ah oui. 7 et 34, vous êtes déjà dans les stats les gars, je vous rejoins. Allez, on y va. Allez. Mais franchement, grand chapeau aussi à toutes nos bombes, enfin nos mines qu'on a mis, les détonateurs et tout. Parce que franchement, ça, Loris, t'en avais mis plein au centre, tu t'es gavé. Ouais, mais j'ai pas appuyé, j'étais tellement occupé, des fois j'avais pas le temps d'appuyer. Et il y en a une, je te promets, j'ai appuyé. Mais je crois qu'en voulant appuyer deux ou trois fois d'affilée. T'as ripé, quoi, non? Non, c'est tellement stressé le type, il appuie trois fois sur, sur le bouton, le machin, il a pas pété. Quoi. Et après, finalement, le temps qu'il est passé, même si ça avait marché, il était déjà parti. Donc dans ma tête, je me suis dit, heureusement que ça n'a pas pété, mais j'étais à la rue, ouais. J'ai appuyé trois fois en retard. Oh putain, et quand je vais dans mon dossier personnel, unité la plus précieuse, IS2, assassin, IS2, survivaliste, IS2. Il a tout fait quoi. Je l'ai bien gardé, c'est grâce à vous, parce qu'à un moment, quand il a envoyé le tigre de l'as était un peu occupé parce que vous l'attaquiez sur les ailes et tout là. Et j'ai réussi, j'ai tenu avec un poil de vie quoi. Franchement, c'était du miracle. Mais comme vous l'avez bloqué, le tigre de l'as, il arrivait déjà sur ma droite. La droite, il y avait deux SU. Il y avait peut-être même un troisième, je sais plus. Et vous avez contourné dans tous les sens. Il y en avait partout, des tanks. À ma tête, j'ai dit, il peut même pas partir. Même il a une option accélération. Genre, il monte à aussi rapide que le TGV. Il pourrait pas partir, c'est impossible. Il avait bloqué partout. Ouais, même lui, il a dû lâcher l'affaire. Non, que c'est comme ça. Tu t'occupes d'autre chose. Tu sais qu'il est mort. Hein. Ouais. Vu la vitesse qu'il a. Il a essayé de s'échapper, non? Et je crois qu'il a lancé des fumigènes ou je Ouais, sais... il a lancé des fumigènes. Il a lancé pas mal de fumigènes pour essayer de nous échapper, je sais pas quand même. Mais ouais, et ça marchait un peu quand même, hein. Mais bon, on était partout quoi. Ça retardait l'échéance, mais il pouvait pas partir, c'est impossible. Ah ouais, et ça a dû lui faire mal dans son économie. Ce qui est efficace contre les fumigènes, c'est que tu donnes le point où attaquer en fait, et ça tire à travers le brouillard quoi. Ça touche quand même. Ah oui, tu fais attaquer cible là, comme ça. Attaquer le cercle. Attaquer ici, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est bien celle-là. Non, franchement, une bonne partie. J'espère que t'as aimé, Rémi. Hein. Ça nous a fait plaisir en tout cas. Beaucoup apprécié. Bah, pour une première, en plus, elle est tombée sur des Français. C'était le top, moi je dis. Donc, bien joué à Charogne, à Serge, Jacques Flo. Et peut-être c'était en même temps, c'est Jacques et Florence. Et Paul pour Zambro.
Donc 4 purs français, je suppose. Donc bien joué à eux. Et puis. Il y a un truc qu'on a bien fait aussi, les gars, c'est les KV8 lance-flammes. Je sais qui les avait avec moi. J'en avais moi, j'en avais fait deux, j'en avais à la fin encore. Ouais, vous avez bien fait. Parce que ça, quand il nous envoyait ses troupes, bon, moi il m'en a crevé avec. Parfois je tombe nez à nez avec ses deux ou trois équipes de Panzer Shrek, je fais pas le poids. Ouais. Mais mine de rien, de face, il encaisse quand même le choc un petit peu, le KV-8. Ouais, contre des. Parce que tout à l'heure j'ai brûlé des Panzer Shrek. Et de face, ouais, tu arrives à résister plusieurs coups quand même. Donc tu peux les brûler, t'as le temps de les brûler quoi. Mm. Même le calanti char. Mais comme moi j'ai pas le bâtiment des mitrailleurs, j'étais obligé de faire ça. Ouais. C'est pour l'infanterie, j'ai rien sinon. C'est clair, bah, c'était pas mal en tout cas. Et le. Ouais, on a fait un tank jacking, voilà ce que je voulais dire aussi. C'est toi qui en a profité? Bah écoute, personne l'avait pris, il est resté pendant un moment, donc j'ai réparé d'abord mon IS-2, puis j'ai envoyé des troupes le récupérer, je l'ai réparé. Bon, bon, voilà. Cadeau. Astuce à connaître, c'est que vous allez le voir, le char IS-2 est très long à réparer. J'avais deux équipes sur lui à un moment. Non, je suis un menteur, pas sur lui, sur le Panther, j'avais deux équipes. Mais j'avais une équipe qui travaillait, mais 24 heures sur 24. Ils faisaient les 3-8. Et je peux te dire, ils ont fait la révision, la vidange et tout. Quoi. Et rien à faire. Quoi. Et sur l'IS-2, je crois, j'ai même mis mon gars dessus. Donc il y avait trois équipes, je crois, dessus. Non, voilà, quoi, c'était pas mal. Et ben les gars, c'était grosse partie. Parce que je suis assez impressionné de tous les chars qui nous ont sortis. Là où on aurait pu perdre la partie, c'est si on n'avançait pas. Quoi. Parce que vous vous rendez compte, il avait. En fait, il s'est gavé. Moi, j'ai cru. Je sais pas s'il est passé avec son LEFH 18 vétéran tout seul ou s'il se l'est EP. Vu que c'était un peu loin de la base, je pense que c'est normal. Il se l'est fait tout seul parce qu'il a beaucoup bombardé. Mais quand il nous bombardait avec les deux ensemble, ça faisait mal. Quoi. Normalement, pour EP, ouais, il faut qu'il soit dans la base. Donc, je pense pas qu'il peut le EP celui-là, non. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis normalement, ouais. Je pense qu'il les a eu à la légale. Non, vu comme il a eu à la légale, je pense, parce que vu comme il tirait dans le tas, il nous a touché assez souvent. Je pense qu'il a eu à la légale. Pour celui-là, ouais. Et comme le disait Alan, niveau micro-gestion, c'était quelque chose cette partie. Ouais, c'était dur. Ça rendait dingue. Donc félicitations à nos adversaires et félicitations à tous. Voilà, on n'a pas fini charogne, les gars. On s'en sort bien. Allez, on se coupe là-dessus, les gars. Allez, ciao, ciao. Allez, à la prochaine. Ciao, les gars, au plaisir. Ciao.